Hey, salut tous les amis! C'est le petit Pavot, j'espère que vous allez bien, ça va extrêmement bien, ça va super. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une session opening de qualité. Attention, c'est parti! Alors, qu'est-ce que l'on a là? On a un paquet, suivi de un autre paquet, suivi de oh, un pépère, un pi qui dort. Suivi d'une paire, oula, de ciseaux. Alors, on va commencer par le petit paquet pour se garder le plus gros pour la fin. Qu'avons-nous là-dedans? Alors, je vais essayer de poser le téléphone entre mes cuisses. C'est Noël avant l'heure. Oh! Un autre paquet. Quoi? Mais y a rien. Ah si. Pardon. C'est à l'intérieur du carton. Et c'est. Non. Hein? Je vous montre un peu. Un Blue Car Carphone Holder. Pour poser son téléphone en voiture. Alors on va l'ouvrir, voir ce que ça donne quand même. Un petit coup de ciseau. Bon, j'espère que vous allez bien. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, hein. Il n'y a que 40% d'entre vous qui sont abonnés, donc n'hésitez pas. Le petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et oh, nous avons effectivement un Blue Car pour accrocher son téléphone en voiture. Très pratique pour écouter du gros son. Alors, on va mettre ça de côté, on va passer à la suite. Voyons voir ce gros paquet là. Ouh, il y a plein de choses là-dedans. Oh là 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 là. Alors, on va reposer le téléphone. Et on va ouvrir délicatement le paquet. Oh non. Qu'avons-nous là? Ça m'a bien l'air d'être des livres. Alors, nous avons libéré le combat féministe se gagne devant le panier de linge sale. Heureusement, je suis concerné, j'ai un panier de linge sale de Titiou Lecoq. Je vous laisse lire la description. Super, vous avez eu le temps de lire. Nickel. Alors ensuite, donc ce premier livre très intéressant, passons au deuxième. King Kong Theory, dont on a tant entendu parler. Voilà, un livre sur le qui traite du féminisme aussi, de Despentes. Alors ensuite, parce que là c'est pas fini du tout du tout, je touche à l'intérieur, il reste encore plein de choses. Le troisième, Françoise Héritier, masculin féminin. La pensée de la différence. Ah, il est abîmé, non? Non, c'est l'étiquette. Ok, je vous laisse lire aussi la description. Très bien, vous l'avez eu le temps de le lire. Super, donc édition Odile Jacob, très bon éditeur. Et le dernier, mais pas des moindres. Attention, il faut même que je le prenne avec mes jambes pour ouvrir. Et c'est un pavé mal baisé. Mais attention, petit jeu de mots, j'espère que vous avez la ref. Mal baisé. Le livre qui dénonce le patriarcat sous les draps. L'analyse qui va vous réjouir. Et bah, j'espère que c'est pas pour moi, que ça ne me concerne pas. Donc ça parle de la sexualité des femmes, du plaisir. Bon, ça doit se parler du plaisir homme et femme. Contraception. Vulnérabilité. Pas mal de jeux de mots dans ce petit résumé. Ok, très intéressant, très intéressant. Je vous ferai une autre vidéo pour vous dire ce que j'en ai pensé de ces quatre livres. Allez.
Je vous fais des bisous. À bientôt. Salut, à la prochaine, les cailles.